Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui, nouvelle vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. J'avais trop hâte de tourner cette vidéo. C'est le body painting. Alors, body painting, normalement, c'est sur tout le corps. Là, en l'occurrence, je vais tester le hand painting, donc du coup, juste sur ma main. J'ai acheté du coup du maquillage spécial pour le corps et pour le visage. Et on va tester tout ça ensemble. Je n'ai jamais testé de la peinture comme ça. C'est parti, du coup, let's go. Voici les pinceaux que j'ai commandés. Donc vous avez plusieurs tailles différentes. Vous avez des petits pinceaux pour les détails et des pinceaux un petit peu plus gros. Voilà, donc j'ai commandé ce kit de pinceaux. J'ai également commandé cette palette de maquillage pour le corps et pour le visage. Hop, on va ouvrir ensemble et vous voyez qu'on a quand même pas mal de couleurs différentes. Donc désolé, il y a un petit peu des reflets dans la glace. On va ouvrir tout ça. Hop. Voilà pour les couleurs. Donc vous avez bien évidemment le noir et le blanc qui sont les couleurs principales. Et ensuite on a quand même quelques couleurs, les couleurs qu'on utilise le plus en fait. Le rouge, le vert, le jaune, l'orange. Il n'y a pas de beige, ça c'est très dommage. Bon après on peut toujours en fabriquer avec du rose et du blanc et un peu de rouge. Mais bon c'est vrai que j'aime pas trop forcément fabriquer les couleurs, surtout quand c'est pas de l'aquarelle ou truc comme ça. Et en plus j'en ai jamais fait de la peinture comme ça. Donc je sais pas du tout comment ça adhère sur la peau, comment on peut mélanger. Il me semble que celle-là c'est à base d'huile, donc en tout cas il ne faut pas mettre d'eau. Donc voilà, après je sais pas du tout si c'est de la bonne qualité ou pas, mais c'est le moment de faire le test. C'est la première fois qu'on voit ça sur ma chaîne. Je n'ai jamais testé du dessin ailleurs que sur du papier ou une toile ou un truc comme ça. Vraiment, j'ai jamais testé. Donc on va tester sur ma main, voilà, tout simplement avec les pinceaux et la peinture. Et je testerai plus tard sûrement sur d'autres surfaces. Vous verrez par la suite dans les prochaines semaines ou mois à venir. Fini avec le numéro 1. Bon, je trouve que les toiles que j'ai faites gâchent un peu tout, mais sinon en vrai elle est pas dégueu. Bon, c'est un petit peu brouillon au niveau des pattes ici, on comprend pas trop. Sinon je trouve que les deux piqûres qui sont là, elles sont trop bien faites. Voilà, bon, je sais pas trop comment ça va rendre à la caméra. On va tout de suite passer au test numéro 2. Je vais aller me laver les mains et on se retrouve juste après. Franchement, je valide de ouf l'enlèvement de la peinture. J'ai pas du tout galéré, vraiment je pensais que ça allait être une galère sans nom et tout, mais pas du tout. J'ai utilisé du démaquillant, donc c'est de l'huile micellaire. J'ai en 1 minute avec un coton, j'ai enlevé tout. Après je me suis juste lavé les mains et c'était bon. Donc franchement je valide 300%. En plus c'est 3 grèves de dessiner avec la peinture. Je vais passer au deuxième essai, on va refaire un truc un petit peu gore. Enfin gore, vous allez voir tout de suite. Ah, je me suis fait mal. On m'a mis un bandage, mais ça coule. Ah. Non, en vrai, en vrai, ça passe, hein. Franchement, j'ai simulé un bandage. Bon, c'est un peu galère parce qu'avec tous mes plis de la main, c'est super galère de faire plein de couches. J'ai simulé des bleus qui sont pas dégueux. Le sang est pas dégueu non plus, le sang qui coule du bandage. Et voilà, franchement, je suis assez satisfaite, ça va. C'est pas trop mal. On va essayer de repartir sur un truc un peu moins gore, je vous promets. Donc c'est parti pour le troisième essai. Et voilà, c'est nettoyé. Bon, je vous avoue, j'aime trop dessiner des trucs gore. Mais on va partir sur un truc moins gore. On va partir sur de la nourriture. Je vous laisse observer le speed painting. Ce sera sûrement le dernier test de cette vidéo, mais il y aura sûrement d'autres vidéos parce que je kiffe. Voilà. C'est parti! Thank you.
voilà le dernier. Mais écoutez, je le trouve super sympa. C'est un 9 au plat, si on n'a pas reconnu. Voilà. J'ai beaucoup aimé le dessiner. J'espère qu'il rend bien. Je trouve que l'œuf rend un petit peu plat. Parce qu'en fait, ma main est creuse. Donc en fait, il ressort pas assez. Normalement, c'est plus ovale, quoi. Et là, comme ma main est creuse, bah, l'œuf, il paraît un peu creux aussi. Voilà. Mais sinon, je trouve qu'en vrai, dans l'ensemble, ça rend plutôt bien. L'ombre est assez bien faite. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On se retrouve tout de suite en facecam pour la conclusion. Et voilà, je suis trop contente du résultat, j'espère que la vidéo vous a plu aussi. Et n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire, que ce soit de dessin ou d'endroit du corps où vous voulez voir de la peinture. Bon, bien sûr, pas là, hein, vous avez capté, mais genre sur le visage, sur les mains, je sais pas, sur les jambes, etc. Je vais potentiellement aussi tester sur le dos de quelqu'un. Enfin, j'espère qu'il va toujours vouloir, voilà. Et sur mon visage, donc il y aura plusieurs épisodes. Et donc voilà, n'hésitez pas à me donner toutes vos idées en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous !